Oui. Papa, je sais pas ce qui m'arrive, je vois du sang. De quoi tu parles? Mais papa, regarde, je vois du sang. Ma chérie, je pense que maintenant tu es devenue une femme. Et maintenant il va falloir te méfier des garçons. D'accord? Allez, je vais prendre une douche. Je te conseille de faire pareil. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je suis vierge. J'ai déjà eu mes règles à 12 ans. Depuis que papa a commis l'irréparable, il ne peut plus s'en défaire. Chaque fois, il prenait soin de me mettre ta splendide robe. Et il te retrouvait ainsi, maman. Ensuite, il me remettait ma propre tenue, afin que je ne me doute de rien à mon réveil. Mais cette fois-ci, les choses ont pris une autre tournure. Mademoiselle Céline Niero, c'est vous? Suivez-moi s'il vous plaît. En effet, vu les petites lésions apparentes, je peux confirmer que votre hymen a été perforé. Je ne peux pas ne pas m'en mêler. Je veux savoir ce qui lui est passé par la tête. Je viens avec toi. Non! Il faut que j'y aille, c'est pas possible. Non, laisse-moi tranquille! Ouvre-moi cette porte, s'il te plaît. C'est papa.
Céline, parle-moi s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? On t'a fait du mal, c'est ça? Céline, ouvre-moi cette porte s'il te plaît. Non, ça va, je veux juste rester seule, tout va bien. Céline, ouvre, je t'en supplie. Laisse-moi tranquille, j'ai dit que j'ai pas envie de te parler. Maman chérie, ça fait un bon moment que je ne t'ai pas parlé. J'ai tellement honte. Je sais, ce qui s'est passé n'est pas de ta faute, mais je ne peux m'empêcher de t'en vouloir. Oh, ma jolie! Mais je te parle, là! Pourquoi tu es impoli comme ça? C'est quoi ton problème? Mais je te drague et tu t'occupes même pas de moi. Parce que je suis obligée de te répondre. Allez, viens, on va aller... Lâche-moi, lève tes sales pattes! Tu m'as pas dit que tu es impoli? Moi, je vais t'éduquer maintenant.
pue la clope. Et c'est un problème? Si tu fumes, oui. Ça te ressemble pas du tout. Bah, c'est effectivement le but. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je sais pas. Pourquoi tu veux forcément que j'ai quelque chose? J'en sais rien, si tu me le dis pas, je risque pas de savoir. Je t'ai déjà dit que tu pouvais tout me dire. Bref, mangeons. Tu dois avoir faim. Qu'est-ce qui te prend? Ma chérie, parle-moi. Bah, je pourrais dire que j'ai un père incestueux. Mais t'es en plein délire, ma fille, ou quoi? Mais comment tu expliques le fait qu'un père couche avec sa fille? Lieu qui viole sa fille! Tais-toi! Je te signale que c'est toi qui t'es mis ça dans la tête. Depuis toute petite, t'es obsédée par moi. Tu voulais même te marier avec moi. C'est toi qui vas pas bien dans ta tête, à vouloir me blâmer des choses abominables. Je t'ai accepté tel que tu es, parce que t'es ma fille. Et je t'aime malgré tout. Je vais aller nettoyer ça, et profites-en pour te nettoyer le visage. On se retrouve pour dîner. Et pour tes cheveux, c'est bien dommage.
sers un verre d'eau? Il dit que je délire. Mais comment expliquer le fait que je sois dépucelée alors que je n'ai jamais connu d'homme de ma vie? Penses-tu que ce soit de ma faute ce qui s'est passé? Excuse-moi, papa, je reviens. Que dois-je faire, maman? Maman, je t'en prie, aide-moi! Je t'aime, Naya. La vérité que je redoutais se confirme. Mon père me viole. Papa! Qu'est-ce que tu fais? Retire! Ne fais pas ça, s'il te plaît. Je ne tue pas ma mère! Naya, calme-toi. Je ne tue pas ma mère, papa! Céline, écoute-moi s'il te plaît. Sors ce fichu téléphone!
Je ne savais plus quoi faire. Je ne voyais qu'une seule issue face à cette abominable vérité. Tu appelles la police et tu leur avoues tout. Ou je mets fin à nos vies. Je t'en supplie. Ne fais pas ça. Pitié. Qu'est-ce qui m'arrive? Ma tête. Tu pensais m'avoir drogué une fois de plus pour pouvoir accomplir ta seule besogne? Alors, t'appelles la police ou je vais te faire nos filles. Thank you.